Salut les amis investisseurs locatifs débutants, c'est parti pour une nouvelle vidéo et cette fois je sens que ça va te plaire. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de concret, c'est-à-dire combien va te rapporter telle ou telle opération immobilière. Bref, avec moi et cette vidéo, tu vas très simplement savoir comment calculer une rentabilité brute, comment déterminer une rentabilité nette et je vais conclure par, je dirais, savoir comparer deux situations dans lesquelles tu vas certainement te positionner, à savoir la situation où tu seras en déficit foncier ou bien une situation où tu vas être à l'équilibre, c'est-à-dire en autofinancement. Allez, perdons pas de temps et passons tout de suite à la rentabilité brute. La rentabilité brute, c'est le point de départ où tu vas calculer ce que te rapporte tel bien à l'année. On peut par comparaison citer le rendement de tels placements financiers, le plus populaire étant le livret A. Tu sais que le livret A rapporte X% par an. Bon, l'avantage, c'est qu'il est effectivement totalement net d'impôts. Eh bien, la rentabilité brute d'une opération d'investissement locatif, c'est la même chose. C'est de positionner un chiffre qui va devenir un pourcentage, en fait, qui est un pourcentage, un taux de rendement. Donc, tu vas savoir exactement positionner, je dirais, la rentabilité de telle opération versus une autre opération immobilière, mais également la comparer avec d'autres sources d'investissement, comme notamment les investissements financiers. Alors, comment tu calcules cette rentabilité brute ? Ben, c'est facile. Tu pars du postulat, eh bien, des recettes, ce que tu vas encaisser. Et ce que tu vas encaisser, c'est le loyer annuel hors charge. Donc, en gros, tu fais une estimation locative du bien avant son acquisition. Pour ça, va voir les agents immobiliers locaux qui vont te donner cette information croustillante. Tu peux également faire des préestimations en ligne, même si il faut les prendre avec des pincettes. À partir du moment où tu as ton loyer annuel, tu as les recettes totales de ton bien locatif. Ensuite, c'est pas tout. Tu vas maintenant effectivement déterminer donc le prix d'acquisition. Le prix d'acquisition, c'est pas uniquement le prix d'achat, c'est également les frais de notaire. Donc ça, c'est important. Tu prends ton prix d'achat. En général, le prix de vente inclut les honoraires agence. Si ce n'est pas le cas, tu les ajoutes et les frais de notaire. Et donc, note bien la formule que je te mettrai en commentaire de cette vidéo. Le rendement locatif brut, c'est quoi ? C'est ton loyer annuel divisé par le prix d'achat, frais de notaire inclus de ton bien, multiplié par 100 puisqu'on parle de taux. Voilà. Et donc là, tu as un indicateur clé de performance de ton opération immobilière, en tout cas une première information clé. Voilà, j'espère que tu as compris parce qu'on va passer tout de suite à la rentabilité nette. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi rentabilité brute, pourquoi rentabilité nette, laquelle faut choisir? Je dirais que la rentabilité brute qu'on vient de voir, elle est la plus simple de calcul en fait parce que tu n'as pas forcément toutes les données qu'on va voir tout de suite pour le calcul de la rentabilité nette, notamment quand tu consultes sur Internet des opérations, des opportunités immobilières. Voilà, donc c'est assez facile de dégager un prix d'achat plus frais de notaire qui sont en moyenne de 8%. Et puis, le loyer encaissé, tu vas pouvoir générer une estimation locative. Ça devient légèrement plus complexe pour le calcul de la rentabilité nette. Pourquoi ? Parce que tu as besoin de plus de data. Allez, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Ta renta nette, c'est quoi ? Alors, la rentabilité nette, ça va tout simplement être la même chose que la rentabilité brute, sauf que pour le calcul des recettes, tu vas devoir déduire les charges d'exploitation. Voilà, c'est pour ça que logiquement, ta rentabilité nette est toujours inférieure à ta rentabilité brute. Alors, le listing de ces charges d'exploitation, les voici. Tu pars toujours de tes recettes, donc les loyers encaissés à l'année, auxquels tu vas déduire des charges d'exploitation. Premièrement, ça va être les charges propriétaires, à savoir les charges non récupérables. Donc, sur l'ensemble des charges générales de copropriété. Voilà, donc là, je te renvoie vers justement ta régularisation de charges que t'envoie le syndic ou bien de poser la question auprès du commercialisateur, donc de l'agent immobilier ou bien du propriétaire en direct. Voilà, tu vas avoir la colonne notamment charges locatives que tu peux répercuter à ton locataire et le reste,
c'est les charges non récupérables. En général, garde en tête que tu peux répercuter à ton locataire 80% des charges globales. Donc ça, c'est la première ligne de tes charges d'exploitation à déduire sur tes recettes, à savoir tes loyers annuels encaissés. Deuxième charge que tu vas devoir retirer, c'est la taxe foncière annuelle. Voilà. Or, donc la taxe pour ordures ménagères, puisque tu vas pouvoir la répercuter à ton locataire. Troisième charge d'exploitation, c'est les assurances. Et oui, parce que en tant que propriétaire bailleur, tu vas devoir malgré tout supporter une assurance habitation que l'on appelle PNO dans le jargon, pour propriétaire non occupant. Elle est obligatoire, en plus de celle que souscrivra ton locataire en place. Voilà, donc ça, tu vas devoir la retirer, mais également certaines assurances annexes que tu pourrais être susceptible de prendre, de souscrire, comme notamment l'assurance loyer impayé, la garantie loyer impayé, GLI dans le jargon, que tu peux souscrire en direct ou bien auprès donc d'un intermédiaire administrateur de biens, en gros c'est l'agent immobilier, qui aura pour mission de gérer ton bien pour te soulager. Voilà, donc on a vu ces charges d'exploitation, je résume. La première, c'est les charges donc bailleur de copropriété, hein, à ta charge en tant que propriétaire bailleur. Deuxième charge, la taxe foncière, donc la taxe foncière hors taxe pour ordures ménagères que tu peux répercuter à ton locataire. Et troisième charge d'exploitation, les menus assurance donc PNO, propriétaire non occupant, mais également garantie loyer impayé pour peu que tu aies souscrit. Voilà, donc c'est principalement les postes que tu vas pouvoir retirer. Ensuite, une fois que tu as retiré ces charges d'exploitation à tes recettes, bah le calcul est le même pour dégager donc mathématiquement ton rendement locatif net. Tes recettes divisées par le prix d'acquisition fois 100 et tu as ton rendement locatif net puisque tu auras déduit tes charges d'exploitation. Voilà, allez, petite précision sur un stade encore plus poussé pour vraiment calculer la renta net-net, on appelle ça, hein, ou ultra-net de ton opération immobilière, c'est la rentabilité nette qu'on vient de voir, sauf que sur ce que tu vas retirer de tes recettes, ça va être un cran plus loin, tout simplement parce que tu vas considérer notamment eh bien, les impôts que tu paieras compte tenu des revenus locatifs que tu vas encaisser. Alors là, c'est un peu plus complexe tout simplement parce que c'est au cas par cas, par rapport notamment au dispositif, au statut de bailleur, d'investisseur bailleur que tu auras opté. Est-ce qu'on est sur un dispositif loueur meublé non professionnel? Est-ce qu'on est sur un dispositif loi Pinel pour l'immobilier neuf? Bref, est-ce que tu vas être effectivement sur un micro-foncier ou pas? Voilà, donc c'est un peu plus complexe. Donc, mets de côté la rentabilité net-net ou ultra-net. Déjà, si tu fais un premier calcul rentabilité brute, pour aller très vite et faire le filtre dans tes opportunités immobilières d'investissement locatif. Et ensuite, dès que tu as visité le produit, qu'il a coché toutes les cases, passe tout de suite à la rentabilité nette. Là, vraiment, tu vas pouvoir prendre une bonne décision entre acheter ou pas, te lancer ou pas sur cette affaire immobilière. Voilà. Alors, je vous mettrai très prochainement donc en lien mes simulateurs que j'utilise moi-même à titre personnel et que je partage avec mes clients investisseurs. Simulateur, en 3 clics, tu as juste à remplir les champs. Ça te calcule en automatique. Donc, la rentabilité brute et la rentabilité nette, tu vas être soulagé et pouvoir gagner du temps pour justement retenir ou pas telle ou telle opportunité immobilière. On termine et on conclut cette vidéo avec deux notions importantes que tu dois mettre dans ton jargon en tant que nouvel investisseur locatif débutant. La première, c'est l'autofinancement. Autant te dire que cette opportunité, elle est quand même appréciable. J'ai d'ailleurs, moi, des clients au quotidien à l'agence qui m'appellent en me disant, bah voilà, moi, là, je veux faire une affaire d'investissement locatif et je veux que ça s'autofinance. Donc, ça peut être un objectif prisé. Alors, c'est quoi l'autofinancement? Bah, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, que le produit va s'autofinancer, il va se financer lui-même. Ou, plus précisément, ton locataire va t'aider à financer l'opération. C'est-à-dire que les revenus locatifs que tu vas percevoir vont te permettre de financer eh bien, en face les charges, tout simplement, notamment les charges d'exploitation. Voilà. Et en gros, quand tu vas comparer à la fin de l'exercice les recettes et les dépenses, bah, tu seras à l'équilibre. Donc, pas de déficit, tu n'es pas en moins, tu n'es pas en plus non plus. Tu n'es pas effectivement
eh bien, en bonus. Donc, c'est, je dirais, une affaire qui tourne et qui reste à l'équilibre. Ça peut être intéressant, effectivement, notamment pour les profils sécuritaires ou certains d'entre vous qui ne souhaitaient pas faire d'effort d'épargne dans le cas où tu es en déficit. La deuxième hypothèse, très prisée par bon nombre d'investisseurs chevronnés ou intermédiaires, c'est la situation où tu es en déficit foncier. C'est-à-dire qu'en fait, tes revenus locatifs sont inférieurs à ce que tu vas dépenser sur l'opération immobilière que tu mènes. Voilà. Et donc, du coup, en général, tu vas devoir réinjecter de tes propres deniers. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette vidéo, ce n'est pas le thème, mais sache qu'en fait, pourquoi on cherche souvent, nous investisseurs immobiliers, le déficit foncier? Tout simplement parce qu'il a des bienfaits sur le plan fiscal, en fait. Puisque, pour prendre l'exemple donc, de la location nue, eh bien, le solde négatif que tu vas générer en déficit foncier, tu vas pouvoir le réintégrer dans ta déclaration d'impôt, tout simplement. Et donc, mathématiquement, ça va faire baisser ton imposition. En tout cas, donc l'assiette de calcul de ton imposition. Voilà, donc ça peut être intéressant. Pour la location meublée, eh bien, le statut de loueur meublé non professionnel te permet, sur une période de 10 ans, eh bien, de reporter ce déficit de manière à toujours être à zéro, en fait, et donc de ne pas augmenter ton imposition. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a effectivement éclairci sur les notions de rentabilité brute, rentabilité nette et scénario d'équilibre avec effectivement l'autofinancement et le déficit foncier. Mets un pouce bleu, un pouce en l'air pour m'aider à mieux référencer cette vidéo et puis surtout me prouver comme quoi tu as apprécié son contenu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à t'en produire d'autres. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne KL Coach Immobilier si tu es investisseur immobilier débutant pour toujours plus de conseils que j'aurai plaisir à te partager. Et puis bien sûr, partage cette chaîne auprès de tes amis investisseurs immobiliers débutants qui souhaiteraient honorer, lancer leur première affaire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochains sujets. Ciao, bye.